Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto make-up et ça faisait très 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 longtemps. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo, d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le petit lien ici dans le i. Vous allez le voir s'afficher juste là. Bref, vous savez que j'ai reçu la dernière palette de Morphe en collaboration avec Karen I Love Sarahi, la youtubeuse américaine. C'est pas une collaboration à proprement parler puisqu'elle prête juste son visage à la marque apparemment, de ce que j'ai pu voir. Alors on retrouve nulle part son nom. C'est juste sur les pack shots finalement. Ça s'appelle la 35S Sweet Oasis et elle est vraiment incroyablement magnifique. Donc j'avais envie de me maquiller avec ces teintes là, d'ailleurs j'aurais peut-être dû mettre un fond bleu. Elles sont incroyablement bien pigmentées. J'avais swatché l'autre jour et vous aviez été nombreux à me demander de faire un petit look avec, donc je me suis exécutée. Alors vu que je sais pas trop dans quel mood je vais me diriger, je vais peut-être commencer par les yeux. Pour une fois, la question ça va être est-ce que je me fais les sourcils naturels ou est-ce que je les travaille? Je pense que je vais les travailler, ça fait un moment quand même que je ne me suis pas vraiment maquillée. Je vais prendre l'Aquastyle de Make Up Forever et je vais le tremper en fait dans mon pot Révolution Pro. La couleur c'est granit, c'est le Brow Pomade et en fait il est devenu sec, du coup je l'humidifie avec ça. Bon, je suis vraiment désolée si vous allez entendre du bruit, mais mes voisins de l'enfer refont encore... Du boucan pas possible, je sais pas ce qu'ils foutent, ils sont en train de déménager ou je sais pas. Franchement je comprends pas, chaque deux jours il se passe un truc là-haut. Tellement longtemps que j'ai pas fait mes sourcils que je sais même plus comment les faire, je sais même plus quelle forme faire. Est-ce que ça vous fait ça vous aussi? En général ça me le fait avec le liner. Bon par contre je les ai un peu fait trop gros là. Je vais en faire un à un pour pas être dans la vue parce que sinon je ressemble à Chewbacca tellement ils vont être gros. Bon sinon j'ai repris le sport, je suis en train de me faire traiter là pour ma thyroïde. J'ai un examen à faire là, ça s'appelle une cytoponction pour faire un prélèvement des nodules de la thyroïde. Je sais pas si vous êtes déjà passé par là mais dites-le moi. J'ai rendez-vous bientôt là et... Qu'est-ce que c'est chiant. Franchement, si ça peut m'éviter de prendre du Levothyrox, là où je sais plus trop comment ça s'appelle, ça m'arrangerait, mais ça me saoule de devoir avoir à passer par cette étape-là. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si je n'avais pas assez bavé avec les migraines et les médecins. Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est fort possible et probable qu'il y ait un micro-lien aussi avec les hormones. Hein. Je sais de sources sûres que ce ne sont pas des migraines hormonales. Enfin, quand je vous parle de migraines habituelles, hein, les migraines quotidiennes. Parce que les migraines hormonales, si vous voulez, je sais les identifier. Très souvent c'est avant, pendant ou juste après un cycle, c'est jamais en plein milieu du mois comme ça, quand t'es fatigué ou que t'as trop été sur l'ordinateur, comme une migraine oculaire par exemple. Mais en fait je pense que je fais tout type de migraine parce que j'arrive vraiment à me dire quand c'est des céphalées, quand c'est une migraine hormonale, quand c'est une migraine avec aura, sans aura, quand c'est une migraine ophtalmique, j'arrive à le décrire psychologiquement. Et je trouve ça quand même dingue parce qu'en général une personne dans sa vie elle a qu'un type de migraine. Enfin je sais pas vous si vous êtes migraineux, dites-moi, mais en général on a qu'un type de migraine. On est soit sujet aux migraines ophtalmiques, soit peu importe, mais on n'a pas 450 types de migraines dans le mois. C'est comme si elle se passait le relais en mode non vas-y flemme, on fait pas la vaisselle ici hein, calmez-vous. Bon sinon à l'heure actuelle où je vous parle je suis en direct de Limoges. D'ailleurs je n'ai pas encore tourné la vidéo pour les injections, je vais le faire dès mon retour. Mais si jamais vous avez des questions supplémentaires, parce que je sais que depuis cette vidéo en fait quotidiennement je reçois des dizaines et des dizaines de messages à chaque fois à ce sujet là, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo en commentaire. Je vais essayer de réinsérer la fiche des cernes juste ici si vous voulez la regarder, la revisionner avant de me poser des questions. Mais ouais, moi depuis que j'ai eu le coup de cœur avec le docteur Sébastien Durieux, je ne jure que par lui. Enfin, même si demain je pense j'étais amenée à trouver quelqu'un de sérieux sur Paris, je pense que je resterai avec le docteur Durieux parce que pour moi c'est vraiment important d'avoir un feeling avec le docteur qui va nous injecter. Je suis pas en train de faire l'apologie de la médecine esthétique, loin de là, je vous dis juste que c'est très important d'être très à l'aise avec son médecin esthétique, pas quelqu'un qui va faire ça que pour l'argent ou que pour le côté business. Et Sébastien Durieux est très 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 passionné par ce qu'il fait et ça se voit, il en parle tout le temps. Mais c'est quoi cette couleur que j'ai mis à mes sourcils là? C'est un peu trop foncé, non? Je sais pas si vous avez pu entendre ce que j'ai dit parce que la caméra s'est éteinte, en fait il n'y avait plus de batterie. Mais je vous disais juste pour finir que le docteur Sébastien Durieux ne fait pas du tout ça pour la gagne. Enfin, il est vraiment passionné par ce qu'il fait et
Il est vraiment là pour sublimer le visage et pas pour injecter à outrance. Alors je vais prendre mon anti-cerne que je vais appliquer au niveau de ma paupière. Avec un beauty blender, je vais tout étaler. J'hésite entre cette couleur et cette couleur. Je vais commencer par cette couleur peut-être. Que je vais appliquer à ce niveau-là, j'en ai pas pris beaucoup. Bon, j'ai un estompé, hein. Vous connaissez la chanson. Bien, bien en mettre au coin interne et externe. Ensuite, moi, je vais venir prendre un peu d'eau micellaire, donc c'est la Bioderma, pour venir couper mon creux. Ouais, voilà, juste comme ça, moi ça me va. Ensuite, je fais mon cut crease, hein, tout simplement, rien de très spécial. Au niveau de la fin, je le fais un peu plus droit. Voilà, ensuite je vais venir dégrader le creux. Hop. Et alors du coup, à l'intérieur, j'hésite entre les deux couleurs là. Je vais peut-être commencer par celle-ci en coin interne et celle-ci au milieu. J'ai plus aucun fossile, faut que j'en commande. Bon, j'ai très mal estompé, mais j'ai à 16h et j'ai vraiment pas le temps de refaire. Les fossiles que j'ai mis, ce sont des AliExpress, si je dis pas de bêtises. Il n'y avait plus la boîte, donc je vous les mettrai, si j'arrive à les retrouver, en barre d'infos. Là, je viens juste passer un coton d'eau tout simplement, d'eau thermale de Uriage, et je vais passer au teint avant de faire le ras des cils. Je pense que vous pouvez le voir, mais mon allergie n'est toujours pas partie. C'est la première fois de ma vie entière que ça me fait ça. Je suis rentrée dans une spirale là, j'essaye de le mettre que les trucs un peu clean sur ma peau. Bon là évidemment ça va être un peu compliqué avec le maquillage, je suis pas censée me maquiller. Ou du moins éviter le maquillage au maximum. Mais j'ai envie de vous dire, je vais filmer là et je vais me démaquiller juste après. En même temps, voulez-vous que j'aille à 17h? Là sur mon visage, c'est le fond de teint Born This Way version matte en teinte golden beige que je mets, et j'adore ce fond de teint. D'une part parce que c'est celui qui provoque le moins d'irritation, mais surtout parce qu'il a une couvrance dingue. Je trouve qu'il masque vraiment bien tout ce qui est rougeur, etc. Ensuite, bah écoutez, on va rester avec l'anti-cerne Too Faced, hein. C'est toujours la même teinte, c'est le golden beige. Light beige, pardon. Je prends l'anti-cerne de Make Up For Ever, la teinte C12, pour faire un mini contouring du nez. J'aime bien la matière, je trouve qu'elle se fond et se travaille très rapidement. Par contre, en concealer, je trouve vraiment beaucoup trop léger. De toute façon, j'ai pas ma teinte. J'ai que des couleurs trop foncées. Mais même, je pense qu'il serait trop léger. Je pense pas qu'il va me suffire niveau couvrance. Moi, j'ai vraiment besoin de couvrance pour mes cernes. Bref, j'ai accéléré un peu cette étape, hein, parce que c'est un peu chiant, vous connaissez. Déjà. Ensuite, avant de poudrer, du coup, je repasse sur la palette et je vais prendre cette couleur-ci. Ensuite, je vais en prendre un fard noir que je vais mettre à l'intérieur, tout simplement. Je vais ensuite prendre ma poudre préférée, donc celle-ci, la Charlotte Tilbury. Elle est géniale, cette poudre, vraiment. Ma poudre près. Je vais quand même rajouter un peu de mascara au niveau des cils inférieurs. Je crois qu'on est bon, il restera plus que les lèvres. J'ai même pas mis de bleu. Je termine avec les lèvres et je vais prendre mon combo habituel, le New Truffle de chez NYX. Je vais prendre un Flesh Pot de chez MAC. Mon dieu, c'est horrible. Je mets le Unrefined dessus de Zoeva. Je vais prendre un pinceau, je vais estomper. Hop, pour éclaircir un peu la couleur. Mon dieu, que c'est horrible. Je vais prendre une couleur un peu plus chaude, le Morphe en teinte Sweetie, pour refacer au-dessus. Ça va déjà mieux. Je sais pas si je mets ce gloss là. C'est un Nars. La teinte, c'est Playing Around. Voilà pour le maquillage. On passe aux cheveux. Du coup, je me suis fait une queue de cheval. Enfin, une queue, une demi-queue. Mes cheveux ont eu le temps de sécher dans la serviette. Et je vais venir installer ma ponytail. Et cette fois-ci, c'est la version bouclée. Donc le lien sera en barre d'infos, hein. C'est celle que je mets tout le temps sur Instagram. C'était 15€ les deux. Après, évidemment, c'est à vous de les styler comme bon vous semble. Et les extensions sont vraiment méga longues, hein. Bon bah écoutez, on a fini avec ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Promis, la prochaine fois je m'appliquerai, parce que là vraiment j'ai pas le temps. J'ai une masterclass qui commence dans pas très longtemps. Aujourd'hui, bon, pour vous ce sera dimanche, mais là l'heure à laquelle je tourne, on est quand même jeudi. Il est 17h40. Les gars, j'ai rien à manger à la maison et j'ai préféré tourner plutôt que d'aller faire les courses. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve en commentaire. D'ici là, prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à m'écrire toutes vos questions concernant les injections sur les cernes, pour les cernes, en commentaire, j'y répondrai dans ma prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous embrasse très fort, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et à très vite, ciao ciao. Mouah, 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 mouah.